Et si j'ai envie de dormir par terre? C'est quoi le problème? C'est ma vie! Et si j'ai besoin de garder les pieds sur terre pour ne pas qu'elles s'envolent de ma tête, mes idées? C'est pas compliqué! En réalité, je reste à terre, car je me suis brûlé les ailes. Et je ne peux plus m'envoler. J'ai voulu trop faire et... En haut, ça a un peu chauffé. C'est vrai que l'art m'a beaucoup aidé, mais... Il m'a aussi fait perdre pied. Mais je les ai pas perdus pour de vrai, mes pieds, hein. Ils sont là. Sinon, je pourrais plus marcher. C'est mes ailes, je vous dis, que j'ai brûlé. Et un oiseau sans ailes, ça n'a pas de sens. C'est comme... des arêtes dans du poisson pané. C'est une absurdité. Pourquoi je me balance? Je suis un métronome. Je suis un instrument qui me permet de faire le lien avec le temps. Car ici... Je perds toujours mes repères. Chaque jour me semble être une éternité. C'est souvent comme ça, quand on se fait interner. Je vous ai dit que j'avais brûlé mes ailes! Ben, c'est dans ce nid de coucou que je suis tombée. Mais je suis pas folle, hein! En fait, c'est qu'on ne vit pas dans la même réalité. Tout ce que je dis, tout ce que je fais a un sens. Non, c'est qu'on ne vit pas dans la même réalité. Je les ai pris, mes médicaments. Combien de fois je vais devoir vous le répéter? Qu'est-ce que je disais? Ah oui, en haut ça a un peu chauffé, mais maintenant tout est maîtrisé. Ah, mais j'avais pas fait attention. Je vous ai pas remercié, vous êtes tous là dans ma chambre. Pour être à mes côtés. Ma chérie, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es triste? Maman va bien? Viens me faire un bisou magique. C'est les effets des médicaments qui me font pleurer. Ça me brûle tellement les yeux. L'impression que mes nerfs sont irradiés. Mais ça va aller, ça va aller. Oh, mon amour. Non, pas toi! Assis-toi. Ça va?
T'es pas trop fatiguée? T'arrives à gérer la maison? T'es pas trop débordée? C'est pas facile hein, pour un homme. Nettoyer, balayer. Et accessoirement coiffer ses enfants. Non mais t'as vu la tête de ta fille? C'est vraiment pas sur toi que je peux compter. Et ma cuisse de poulet, t'y as pensé? Non mais, parce que c'est dégueulasse ce qu'on nous donne à manger. Moi, je suis persuadée que c'est à la morgue qu'ils vont s'approvisionner. T'y as pensé? Ben viens me l'apporter! La prochaine fois, t'en prendras deux. On dirait un poulet prématuré. Oh, mais il y a encore des gens qui arrivent. Mais venez, rentrez! Venez! Venez! Ah non, c'est la fin des visites. Il va falloir que vous vous en alliez. Mais demain, vous revenez, hein? Vous revenez? Il faut me dire pour que je puisse m'organiser. Faut me dire. Faut me dire. Métronome s'est arrêté. Je suis un peu fatiguée. Je vais me reposer. Mais avant, je vais noter sur mon carnet quelques idées qui ne se sont pas envolées. Avant de te dire que je t'aime. Car je ne l'ai jamais fait. Voilà. Ben, j'espère que cette première scène vous a plu. Bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué, alors bon, il faudra un peu que je m'y remette un peu. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, j'espère à bientôt. Et puis j'espère que vous pourrez découvrir la suite de cette pièce. En lisant coucou le livre. Il y aura des séances, enfin des rencontres, des séances de dédicace, j'aurai des exemplaires aussi. Donc j'espère à très vite et je vous fais des gros bisous. Bye bye!